permettre de rappeler que l'aventure mondiale, l'aventure de la Coupe du Monde, elle remonte aux années 90. Première candidature du Maroc, parce que nous avons été candidats 6 fois avant de pouvoir finalement avoir le privilège d'organiser cette grande manifestation sportive. Mais le Maroc, dès le départ, a vu ce projet comme une possibilité d'accélération économique. On avait besoin des deadlines pour certaines choses. Et on avait constaté qu'il y avait certaines lenteurs dans la réalisation de certaines infrastructures. Bon, les choses ont changé depuis une dizaine d'années, Dieu merci. Mais aujourd'hui, cette Coupe du Monde, justement, avoir une deadline, avoir un impératif, qui est celui d'être prêt en 2030, pousse l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, etc., etc., à accélérer carrément le développement du pays en matière d'infrastructure, en matière de mindset même du Marocain. C'est-à-dire qu'il y a des essais, on est en train, au début du process, et j'ai l'impression, et elle est toute positive, très positive même, que le Maroc est en train de changer. Il n'a pas encore pris la vitesse de croisière, et ça va s'accélérer dans les 2-3 prochaines années. Et là, on va sentir qu'il y a une certaine dynamique qui va s'installer, une dynamique socio-économique qui va changer quasiment le faciès du pays.